deux ou trois personnes sans réunir mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, le quorum est atteint. Le quorum est atteint. Nous voulons bénir ces grands dieux. Je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 47. Psaume 47, nous allons lire Psaume le chapitre 47. Si nous pouvons lire nous tous à l'unisson. La Bible dit ceci: vous tous, peuple, battez de mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Le prince de peuple se réunisse au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont le bouclier de la terre. Il est souverainement élevé. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais inviter le peuple de Dieu a obéi à cette parole du verset 2. La Bible dit: vous tous, peuple, battez de main, poussez vers Dieu des cris de joie. Je voudrais que dès l'entrée, que quelqu'un, bien-aimé, pousse des cris de joie à l'honneur de ce grand Dieu. Que quelqu'un puisse battre ses mains pour le roi des rois. Nous sommes en train de saluer notre Dieu. Nous sommes en train de saluer Dieu. Fais-le encore mieux. Nous sommes en train de saluer le roi des rois. Nous sommes en train de bénir ces grands dieux. Nous sommes en train d'inviter le roi des rois. Que tous les peuples battent le même. Alléluia. Poussez vers Dieu des cris de joie. Car il est Dieu, il est Seigneur. Il est Dieu, le Dieu glorieux. Il est Dieu, le Dieu éternel. Il est Dieu, le Dieu présent au milieu de nous. Il est Dieu, le Dieu qui écoute les prières. Il est Dieu pour nous faire du bien. Il est Dieu élevé de tous les autres noms. Il est Dieu, celui qui s'appelle Jésus. Il est Dieu, il est toujours au rendez-vous. Il est Dieu au milieu de son peuple. Il est Dieu, le Dieu vivant. Il est Dieu, le Dieu véritable. Il est Dieu, celui qui s'appelle Emmanuel. Il est Dieu au-dessus de tout autre nom. Il est Dieu notre forteresse. Il est Dieu notre appui. Il est Dieu le bon berger. Il est Dieu le roi des rois. Il est Dieu le prince de paix. Il est Dieu le Dieu vivant. Le ressuscité du troisième jour. Il est Dieu mais de son peuple. Oui, c'est lui notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit: chantez à Dieu, chantez à notre roi, chantez. Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, chanter un cantique pour célébrer ce grand Dieu, car il est présent au milieu de nous. Alléluia. C'est toi, Jésus, que nous saluons. C'est toi, Jésus, que nous bénissons ce soir. Jésus, tu es bon. Au milieu de nous, sans regarder. Je vous aime tous, ça nous.
le Seigneur. Nous avons chanté. Jésus est au milieu de nous. Jesus is among us. Pour nous sauver. To save us. Pour nous bénir. To bless us. Lui qui nous a tant aimé. One who loves us much. Je voudrais que quelqu'un au milieu de nous puisse saluer la présence de ce grand Dieu. To bless the presence of the Lord. Que quelqu'un lève sa voix, bien-aimé dans le Seigneur. Pour bénir la présence de ce grand Dieu. Pour encore inviter Jésus au milieu de nous. C'est Dieu bon, c'est Dieu merveilleux. Merci. Oui, salut Dieu. Priez, bénis sa présence au milieu de nous. Priez, bien-aimé dans le Seigneur. Bénis, c'est Dieu bon, c'est Dieu merveilleux. Oui, Jésus, tu es là au milieu de nous. Cela est vrai, tu es là pour nous bénir. Jésus, tu es là ce soir parce que tu nous aimes maintenant. Tu es là pour nous sauver. Éternel, nous t'invitons, notre Dieu. Alléluia. Que les portes s'ouvrent, oh Dieu, afin que le roi des gloires fasse son entrée. Jésus, c'est toi que nous saluons. Jésus-Christ, c'est toi que nous bénissons. Jésus-Christ, c'est toi que nous invitons ce soir. Jésus-Christ, c'est toi que nous avons besoin, notre Dieu. Oui, bien, Seigneur. Merci, tu es là au milieu de nous. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là, le Dieu de toutes les grâces. Tu es là, le Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi les nations viennent à toi. Oui, tu es là au milieu de ton peuple. C'est Dieu bon, c'est Dieu merveilleux. Le Dieu de toute grâce. C'est toi que nous bénissons ce soir. C'est toi que nous désirons ce soir. Le Dieu qui écoute les prières. God will listen to our prayer. Merci de savoir que tu es là. Thank you for knowing that you're here. Merci de savoir que tu es là présent au milieu de nous. Thank you because you're here. Toi, le Dieu vivant. The living God. Je voudrais inviter quelqu'un, bien-aimé, à se consacrer à Dieu. I'm going to invite somebody to consecrate Je voudrais inviter quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur. À s'humilier devant le trône des dieux. Je voudrais inviter quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur, à s'abandonner à Dieu. Recommande à Dieu toute ta vie. Recommande à Dieu ton cœur. Recommande à Dieu tes pensées. Recommande à Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, tes mouvements. Afin que ce soir, la main de Dieu te touche. Lord, touch you tonight. Afin que ce soir, la gloire de Dieu descende sur toi. So the glory of God to be Allez, prie maintenant. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Pendant que tu pries, pense aussi à ceux qui ne sont pas encore arrivés. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Que la miséricorde de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur son peuple. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, j'abandonne ton peuple ce soir entre tes mains. Oh Dieu, nous voulons être conduits par toi. Oui, Seigneur, nos pensées, nos âmes, nos esprits, oh Dieu, sous ton autorité, sous ta puissance. Seigneur, Dieu miséricordieux, Dieu des grâces, nous prions ce soir pour que ta compassion soit notre partage. Le Dieu qui sonde nos cœurs, le Dieu qui connaît nos pensées, nous prions ta miséricorde. Nous prions ta grâce ce soir. Oui, Seigneur, je prie pour ton peuple que tu invites ce soir. Je prie pour cela, oh Dieu, qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, afin que ta grâce, ta miséricorde, oh Dieu, soit sur eux. Nous bénissons ton nom au milieu de nous. Nous te désirons de tout notre cœur. Car tu es bon. Excellent enfant de Dieu, God, chaque jour qui passe every day, témoigne le bienfait de Dieu. Testify the goodness of God. Chaque jour qui passe, bien-aimé dans le Seigneur, every day, témoigne la miséricorde de Dieu. Testify the goodness of the Lord. Vous ne pouvez pas imaginer combien qui sont morts au mois de septembre. Can we imagine how many people lost their life? Vous ne pouvez imaginer combien sont ceux-là à ce moment où nous prions. Ils ne peuvent pas bouger. Can we imagine how many people cannot move right now? Dieu nous a gardés. But God
keep that same. Tout le mois de septembre. Et Dieu nous fait encore grâce d'être en vie aujourd'hui. He has grace today to be alive. Le mois d'octobre. And we can see October. Je voudrais que quelqu'un lève sa voix et dise merci à Dieu. To raise his voice and say thank you to the Lord. Lorsque nous avons commencé l'année, bien-aimés, on s'est posé, Seigneur, est-ce que nous allons aller à la fin de cette année? Les gens se posaient des questions à cause de la pandémie. Mais Dieu est en train de nous préserver. Dieu nous garde toujours. Et nous voici au mois d'octobre. Je voudrais que quelqu'un dise merci à Dieu pour sa famille. Je voudrais que quelqu'un soit reconnaissant pour tous les bienfaits de Dieu. God is doing quand tu regardes tes enfants, when you're looking at your children, quand tu regardes ta femme, ton when mari, looking at your wife, quand tu regardes ton frère, ta soeur, when you're looking at your brother, bien-aimé, élève ta voix et dis merci à Dieu. Raise your voice and say thank you. Dis merci pour tous ses bienfaits. Say thank you for everything that dis merci God has done. Pour sa grâce. Say thank you for his grace. Nous vivons à cause de lui, c'est Dieu est mort. Alléluia. Rien d'autre si ce n'est de dire merci, notre Dieu. Rien d'autre si ce n'est, Seigneur oh Dieu, d'être reconnaissant devant toi pour tous tes bienfaits. Seigneur, je vis à cause de toi. Seigneur, je parle à cause de toi. Seigneur, ce soir, je me présente dans ta maison à cause de toi. Seigneur, ma vie, ma famille, oh Dieu, en fait, à cause de toi. Seigneur, tu nous as gardés au mois de septembre. Seigneur, tu nous as préservés du mal. Oh Dieu, oui, le diable était là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais tu nous as épargnés, oh Dieu, du filet de l'oiseau. Tu n'as pas permis le malheur. Tu n'as pas permis les dangers. Tu n'as pas permis que le diable puisse. Dieu de grâce, merci. Alléluia. Merci pour ton amour, ta grâce. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh merci notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia, Dieu de nos vies. Seigneur, merci car tu es digne de recevoir toute notre vie. C'est toi, c'est Dieu de nos vies. Adoré. Célébrons ta gloire.
Quelqu'un peut encore dire merci à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore dire merci à Dieu? Merci éternel Dieu tout puissant Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci parce que c'est toi. Il y a des gens bien aimés qui manquent la paix. Tu as la paix, dis merci à Dieu. Je te dis merci. Jésus. Merci. Merci, c'est Dieu de grâce. Merci, c'est Dieu qui écoute les prières. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter encore, bien-aimés, à ouvrir vos Bibles. To open your Bibles. Nous sommes dans le livre de Jérémie. So we are in the book of Jeremiah. Ce texte Dieu m'a donné, c'est depuis, je crois bien il y a deux ou trois semaines, nous étions ici à la nuit de prière. So we have this verse since I think last time we have a prayer night. Et nous avons aussi prié un culte par rapport à ce texte. So we pray according to this word. Nous voulons encore prier, bien aimé. So we're gonna pray again. Le mois vient de commencer. The month just started. C'est un mois nouveau. It's a new month. Et ce mois annonce déjà la fin de l'année. It's all close to the end of the year. Chers amis, nous sommes des dieux. We belong to God. Pas seulement nous appartenons, mais nous sommes des dieux aussi. It's not only we belong to him, but we are also God. Pourquoi? Why? Parce que nous avons l'esprit des dieux en nous. It's because we have God's spirit in us. De la même manière, Dieu a créé le monde. The same way God created the earth. Nous avons aussi le pouvoir avec Dieu. We have also the power. De créer, de changer le monde. To create it and to change the world. Et notre appui de ce soir, c'est cette parole que nous voulons partager, lire. So we're gonna base ourselves to this word of God. Et qui va nous motiver à prier. And it's gonna give us motivation to pray. Jérémie chapitre 1, le verset 10. So Jeremiah chapter 1. Je vous invite encore à vous tenir debout, chers amis. I'm gonna invite you all to stand up. Nous sommes comme des soldats prêts, bien-aimés, pour la guerre. We are like a soldier ready. Nous sommes comme des soldats prêts, bien-aimés, pour veiller. We are ready as a soldier. Jérémie 1, à partir du verset 10. Jeremiah 1, the verse 10. La Bible dit ceci. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu baptises et que tu plantes. Alléluia. Amen. Dieu a donné à Jérémie, le prophète, ce pouvoir. God gave to Jeremiah that power. Dieu a dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations et des royaumes. I'm appointing to all the nations. Si hier, physiquement, Dieu pouvait parler à Jérémie à propos des nations et des royaumes, yesterday, God could talk to Jeremiah. Aujourd'hui, Dieu nous établit, bien-aimés, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il nous donne ce pouvoir. Il dit, pour que tu arraches et que tu abattes. And he said, for you to uproot or tear down. Ce soir, nous voulons, bien-aimés, abattre tout ce qui a été de l'ennemi. So today we're gonna tear down everything that came from the enemy. Tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies, nos familles en ce mois d'octobre. Things against us in October. Tu as le pouvoir, bien-aimés, d'abattre ce soir. To tear down. C'est pas quelqu'un qui priera pour toi.
There is no one who can pray for you. Dieu t'a donné ce pouvoir-là ce soir. Tu dois abattre. You have to tear down. Tu dois ruiner. You have to ruin. Tu dois arracher. You have to destroy. Tu dois détruire, bien-aimé. Tout ce qui est de l'ennemi contre la vie et ta famille. Si c'est la maladie. If it's a disease, si c'est la malédiction. If it's a malédiction. Si c'est l'échec. It's a... Si ce sont des puissances des ténèbres. Or, darkness, si l'ennemi prépare un danger contre ta vie ou ta famille. Lève-toi ce soir. Parce que tu as le pouvoir. Because you have the power, tu vas agir. You have to... Alors prions maintenant avec conviction. Pray with Prie avec détermination. Crois ce que tu es en train de dire maintenant. Tu as ce pouvoir, bien-aimé. C'est toi qui t'aimes-toi. Dieu t'a choisi, c'est toi. N'attends pas Dieu le faire pour toi. Bien-aimé, prie pour ta famille. Détruis le plan de l'ennemi contre ta famille. Détruis tout ce qui est des ténèbres contre ta famille. Tu as le pouvoir, prie. Je n'attends pas quelqu'un prier. Je n'attends pas quelqu'un prier, prie avec conviction. Au nom de Jésus, c'est toi. Seigneur, je m'élève au Dieu. Oui, tu l'as dit à Jérémie. Aujourd'hui, c'est à moi. Aujourd'hui, c'est à mon frère. Aujourd'hui, c'est à ma soeur. Oui, tu te donnes le pouvoir. Seigneur, d'arracher. Seigneur, d'abattre, de ruiner, de détruire. Tout ce qui était de l'ennemi. Seigneur, cette fin de l'année, nous venons détruire, nous venons renverser tout ce qui est de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles, tout ce qui est de planifié dans les mondes de l'ennemi de Dieu. À cette fin d'année, contre nos vies, contre cette question. Oh, Dieu de gloire, nous renverrons de l'ennemi, nous annulons le puissant du diable, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, c'est toi que nous proclamons, le Dieu de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Emmanuel, au nom de Jésus-Christ. Prince de paix, au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons prier pour l'Église. We want to pray for the church. Tout ce qui, bien-aimé, distrait les gens à l'église. Tout ce qui empêche les gens d'être fidèles à Dieu. Les gens devenus infidèles. Ils ne veulent plus, bien-aimé. Ce n'est pas seulement nous, partout. Les gens ont abandonné leur assemblée. Ils ne viennent plus à l'église. Ils préfèrent, bien-aimé, suivre dans des réseaux sociaux. Alors qu'ils partent au travail. That time they go to work. Alors que bien-aimés dans les seigneurs, ils vont partout dans des malls, dans des fêtes. They go to parties and they travel. Mais lorsqu'il s'agit de l'église, ils ont raison, COVID. But when we're talking about church, they have a reason about COVID. Nous voulons, bien-aimés dans les seigneurs, détruire ce que le diable est en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs ont abandonné Dieu. Nous voulons, bien-aimés, ce soir, libérer toutes ces âmes perdues. Nous voulons, bien-aimés, dans le Seigneur, libérer toutes ces personnes qui ne vont plus dans leur église.
Que l'Esprit de Dieu le délivre. Que l'Esprit de Dieu le ramène à l'Église. Lève-toi, prie maintenant avec conviction au nom de Jésus. Fais-le avec foi, bien-aimé. Vois ta prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens libérer toutes les âmes, oh Dieu, qui sont abandonnées. Toutes les âmes, oh Dieu, qui ne viennent plus à l'Église. Toutes les âmes, oh Dieu, qui ont fui, Seigneur, l'Église. Ils ont fui, Dieu, ils ne veulent plus te servir. Seigneur, toutes les âmes qui ne partent plus dans leurs églises, ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'arrache leurs âmes. Je les délivre, oh Dieu. C'est là où les diables, Seigneur, les alliés, je les libère. Qu'ils reviennent dans leurs églises. Qu'ils reviennent dans leurs églises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la voix de l'ennemi, oh Dieu, qu'il les empêche de ne plus venir à l'église, Seigneur. Quitte, oh Dieu, leurs pensées. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, lève-toi. Éternel, agis. Car tu es vivant, tu es Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, non pas seulement que Jérémie avait le pouvoir d'arracher ou d'abattre, non pas seulement qu'il avait le pouvoir de ruiner ou de détruire, to destroy or uproot. J'aime la fin de ce verset 10. I like the end of the verse. Jérémie, après avoir arraché, abattu, ruiné, détruit, after destroying and tearing down, il y a deux choses importantes que tu dois faire, Jérémie. That are really important that you bâtir. Have to do. Bâtir. To build. Nous voulons bâtir, bien-aimé. We want to build. Non, nous ne le faisons pas physiquement, c'est spirituel. Don't do it physically, but it's spiritual. Là où le diable avait détruit dans l'église. Là où le diable avait détruit dans des familles. Là, ta prière de ce soir va bâtir une famille aujourd'hui. Ta prière de ce soir va bâtir l'église des cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voulons planter. We want plants. Là où le diable avait empêché que la semence puisse croître. Nous voulons planter dans les cœurs des dieux. Non, non, dans les cœurs des gens la parole de Dieu. Nous voulons planter dans les cœurs des membres de nos familles la parole de Dieu. Si ta femme ne connaît pas Dieu, plante maintenant, bien-aimé, la parole. Si tes enfants ne connaissent pas Dieu, plante maintenant car tu as le pouvoir. Si ton mari ne connaît pas Dieu, plante la semence de Dieu maintenant. Si tes amis ne connaissent pas Dieu, plante maintenant car tu as le pouvoir. Si des gens qui viennent à l'église, mais ne connaissent pas Dieu, plante dans leur cœur la parole de Dieu car tu as le pouvoir. Allez, prie maintenant au nom de Jésus. Bâtis et plante au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais-le, bien-aimé. Au nom de Jésus, je viens bâtir l'église des cieux. Je viens bâtir là où le diable avait détruit, là où il a ruiné. Je viens bâtir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je bâtis cette église. Je bâtis l'œuvre des cieux. Je bâtis ma famille. Je bâtis ma maison. Je bâtis, oh Dieu, toutes les familles ici présentes. Que les familles puissent aider l'enfant au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées. Je viens s'aimer, oh Dieu, ta parole dans les cœurs de ceux-là qui sont, oh Dieu, perdus. Je viens s'aimer ta parole dans les cœurs de ceux-là, oh Dieu, qui ne te connaissent pas, dans l'église, dans nos familles, dans la société. Je viens s'aimer la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, en ce mois d'octobre, Seigneur, nous croyons que tu as agi. Seigneur, je viens s'aimer ta parole dans les cœurs. Là où l'ennemi, Seigneur, avait mis l'incrédulité, Seigneur, je viens s'aimer maintenant ta parole. Que des vies soient sauvées. Que des familles soient sauvées. Oui, Seigneur, lève-toi et agis.
Oui, Seigneur, merci de savoir que le diable est en débandade. Thank you because the enemy is running away. Seigneur, le mois d'octobre est entre tes mains. October is in your hand. Seigneur, aucun danger, aucun malheur. There is no danger for us. Oui, le plan de l'ennemi a échoué au nom de Jésus-Christ. Enemy plans are working. Seigneur, tu as toutes nos familles entre ta main puissante. All our families in your hands. Seigneur, la mort ne pourra rien contre tes enfants. Tout ce qui a été au Dieu de l'ennemi, Seigneur, nous le renversons au nom de Jésus-Christ. Oui, que ceux-là qui nous suivent, Seigneur, qu'ils soient protégés. Everyone who's following us, let them be protected. Parce que tu y es, c'est Dieu qui les garde. Because you are the God who protects. Oui, garde nos familles. Protect our families. Oui, en ce mois d'octobre, nous voulons this voir ta gloire. We want to see your glory. Conduis nos pas, Seigneur. Work with us. Règne dans nos vies. Reign in our lives. Oui, règne dans nos familles. Reign in our families. Que la puissance de Dieu abonde dans nos cœurs. Be in our hearts. Parce que tu es Dieu. Because you are God. Merci pour ce mois d'octobre. Thank you for October. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Si tu crois, bien-aimé, à la prière que tu as faite ce soir. If you believe in your prayer. Si tu crois à la prière que tu as faite, bien-aimé, dans le Seigneur. If you believe in your prayer that you did tonight. Tu vas maintenant répandre ton cœur pour adorer Dieu. So you're gonna get ready to worship the Lord. Tu vas, bien-aimé, dans le Seigneur. Élever ce Dieu tout-puissant. Car la Bible déclare, là où Dieu est élevé, ses ennemis se dispersent. Donne-toi la peine d'adorer Dieu de tout ton cœur. Lift him up with all your heart. Afin qu'il soit élevé. For him to be glorified. Alors les amis, conduis-nous dans un moment d'intimité avec Dieu. Conduisez-nous, les amis. Oui, Seigneur, ce soir, que nous venons adorer le Dieu de gloire. Oui, ce soir, que nous venons élever ce soir. Ce soir, que nous venons glorifier ce soir. Le Dieu de nos vies. Le Dieu éternel. Le Dieu de gloire. Tu es Dieu, tu es vivant Jésus. Jesus, most high, yes, you are the Lord. Most high, yes, you are the Lord. Most high, yes, you are the Lord. You are the Lord, Messiah. Yes, you are the Lord, Messiah. Yes, you are the Lord, Messiah. Yes, you are the Lord, Messiah. You are the Lord. Yes, you are Messiah. Yeah, yes, you are the Lord. Hallelujah, Messiah. Yes, you are the Lord. You are the Lord God. Yes, you are the Lord God. Hallelujah. Yes, you are the Lord. Messiah. Yes, you are the Lord. Messiah. Yes, you are the Lord. Messiah.
toi, Yeshua, t'es l'eau. Mon Père, Yeshua, t'es l'eau. Yeshua, t'es l'eau. Tu es Dieu. Gloire. Gloire. À l'agneau. Gloire à celui qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Seigneur, adore ces dieux. Merci, véritables. Papa. Adore ces dieux tout puissants. Dieu merveilleux. Adore celui qui t'a créé. Adore celui qui s'appelle Je suis. Adore celui qui merci, a du commencement. Adore celui qui s'appelle Emmanuel. Ton, oh Dieu, le Dieu de nos vies. C'est lui qui connaît toutes les choses. C'est lui qui s'appelle Je suis. Il est Dieu pour l'éternité. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu véritable. Il est le juste juge. Adore Emmanuel. Adore Dieu de tout cœur. Adore Dieu. Car il est souverain, l'agneau. C'est toi que nous adorons, le Dieu éternel, le Dieu de gloire. Oui, tu es vivant. Oui, tu es le roi de rois. Oui, tu es le Seigneur de Seigneurs. Alléluia. Mais c'est toi qu'on appelle. Alléluia. Es-tu capable de donner, Seigneur, le pouvoir qui est fort?
on peut chanter You are Alpha and Omega. Alléluia. Section de grâce, le jour de nos vies. Il a ni commencement ni fin. Il est Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire. Le Dieu glorieux. Je demande à quelqu'un d'acclamer Dieu, d'acclamer le roi de rois. Je vais encore vous demander à vous tenir debout. Alléluia. Amen. Vous me donnez l'apparence comme si vous n'avez pas dormi la nuit. Looks like you didn't sleep at night. Et que vous êtes fatigué. You are so tired. C'est maintenant ici à l'église de se reposer. And you just came to church. Non, to c'est rest. Maintenant. Yeah, non. Nous sommes ici pour Dieu, alléluia. We are here for God. Nous sommes ici pour bénir, adorer, louer Dieu. We are here to worship and praise the Lord. Je vais encore vous demander de vous tenir debout. I'm going to ask you to all stand up. Nous voulons louer Dieu ensemble. We're going to praise the Lord all together. Amen. Amen. Soyez bénis, vous qui êtes venus dans la maison Be de l'Éternel. Be blessed, you all that are here. Vous êtes bénis parce que vous êtes venus. You are blessed because you came. Et parce que c'est la maison de l'Éternel. Lord's house. Alors glorifiez-le afin qu'il puisse vous bénir encore Praise davantage. Him for him to bless you. Allons-y les amis. Alléluia. Sorry, Jesus.
Kolo nanga Yesu Masia e Nakumisi komo na yo e Ipofo Yabangamba dike koko na kolo na yo na kolo kota Una boniko na yo na kolo Banangambe to emba e Kolo nanga Yesu Masia e Masia yawe Takwa ba,
roue, chantons ta croix-là, et ta croix-là, et ta croix-là. Oh, mon côté, à côté, mon côté, à côté, Jésus, mon côté, à côté, mon côté, mon côté, à côté, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Que Dieu vous bénisse, je veux vous rasseoir. Merci de votre adoration. J'ai aimé le cantique que Papa Patrick avait chanté. I love the song Papa Patrick sang. Le premier jour de sa prédication. The first day that he preached. C'est un cantique qu'on chantait quand on était tellement petit à la ligue. The song that we've been singing when we were younger. Je voudrais encourager tout le monde à apprendre ces cantiques. I want to encourage people to learn that song. Afin que Dieu te rappelle chaque fois. For God to remind you all the time. Qu'il est important de prier, de lire. That it is really important to pray and to read. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour, si tu veux grandir, si tu veux grandir. Chaque jour, si tu veux grand. Le cantique est en train de nous rappeler. The song is just reminding us. De lire la Bible chaque jour. To read the Bible every day. Et de prier chaque jour. And to pray every day. Si tu veux grandir. If you wanna grow. Tu ne vas pas grandir par les alléluia, amen. You won't grow by saying hallelujah. Tu ne vas pas grandir par le prophétie. You won't grow by prophecies. Tu ne vas pas grandir, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu viens à l'église chaque dimanche. You won't grow because you're coming to church all the time. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de venir à l'église. It's okay to come to church. Mais tu grandiras quand tu commenceras à lire ta Bible et à prier. When you start to read your Bible. Seigneur, nous bénissons ton nom. God, we bless your name. Au commencement était la parole. At the beginning was the word. La parole était avec Dieu. And the word was with God. Et la parole était Dieu lui-même. And the word was God. Seigneur, parle. Parle au Dieu. God, speak. Pour que ton peuple soit béni. For your people to be blessed. Qu'il entende ta voix. For them to hear your voice. En ces débuts de ce mois d'octobre. At the beginning of this month. Le premier dimanche de ce mois. The first Sunday of this month. Que ta parole soit ancrée dans nos cœurs. Let your word be in our hearts. Que ceux-là qui nous suivent et ils vont nous suivre everybody dans les réseaux sociaux. Everybody who follow us or are following us in social media. Ta parole. Let them hear your word. Et que ta parole les transforme. And the word transform them. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus, we have prayed with faith and thanksgiving. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. God be blessed. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. We bless you in the name of our Lord Jesus Christ. Chaque dimanche n'est pas le même chose. Every Sunday it's not the same thing. Et nous croyons que Dieu aujourd'hui. But we believe God today. Nous a béni, va encore nous bénir. Is going to bless and he will.
Nous voulons dire merci à Dieu. We want to say thank you to God. Pour ses serviteurs qui nous ont enseigné pendant un mois. For all his servants who teach us for almost a month. Papa Rolly et Papa Patrick. Papa Rolly and Papa Patrick. C'était pour nous une bénédiction. They were for us a blessing. Et aussi de moments pour pouvoir connaître aussi le talent, les dons de tout un chacun. It was a time to know all those people's talents. Que Dieu le bénisse et qu'il les remplisse God encore. Bless them. Qu'il soit des serviteurs humbles, let them be the humble servant, fidèles, faithful, obéissants, obedient, modèles, be an example, afin de pouvoir changer plusieurs for them personnes. To change a lot of people. Que Dieu le bénisse, God bless them, et qu'il bénisse aussi leur famille. And also their family. Si vous êtes d'accord avec moi, nous allons acclamer pour dire merci Let's à Dieu. Put our hands together and bless the Lord. Alléluia. Alors les amis, je vous propose un thème. So I'm going to propose you a theme. Nous allons commencer aujourd'hui. That we're going to start today. Je sais quand est-ce que nous allons terminer. God knows when we're going to finish. Ce message, je l'ai eu pendant que je étais en train de préparer mon enseignement sur le don spirituel. This message I have it when I was preparing my teaching for le don spirituel. A spiritual gift. Cette nuit-là, j'étais en train de prier parce que je devais parler de ces dons de révélation. And that night I was praying before I just came and speak about that gift of revelation. Et mon esprit a capté une parole bien-aimée dans mon oreille. My spirit just captured one qui me parlait de ce thème. I was talking about this theme that I'm going to share with you tonight. Et je me disais, mais Seigneur, je dois mettre fin à cet enseignement ou comment? So I talked to God and asked if I have to stop with this teaching or what. J'ai seulement pris le thème et je l'ai écrit sur un papier et puis j'ai gardé ça. I just took the word and wrote it in a piece of paper. Et Dieu m'a fait grâce aujourd'hui de parler de ce thème. But I have grace from God to talk about it tonight. Les Goliaths de ton âme. Goliath of your soul. Les Goliaths de ton âme. The Goliath of your soul. Si je pose la question ici, qui connaît Goliath? If I ask a question, who knows Goliath? Qui connaît Goliath? Tout le monde connaît Goliath, n'est-ce pas? Goliath. Maybe. Et c'est facile, bien-aimé, de dire qui était Goliath, n'est-ce pas? It's really easy to say who Goliath was. L'histoire de Goliath dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. This story we can find it in the book of 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 17. Chapter 17. Et vous allez lire ça à la maison. You can read it at home. C'est le devoir que je vous donne. Goliath. Goliath. Quand vous lisez, bien aimé, le texte de 1 Samuel, chapitre 17. So if you read on vous parle de Philistins. Talking about Philistines. Qui menaçaient les enfants de Dieu, le peuple d'Israël. They were getting people of God in trouble. Et Goliath était l'un d'eux. Goliath was one of them. Cet homme qui était tellement fort. He was so strong. Il était tellement violent. He was violent. Géant. Giant. Invincible. He couldn't win. Personne ne pouvait le vaincre. No one could win against him. Mais aussi, bien-aimé, il faisait peur à tout le monde. Everybody were afraid of him. Il faisait peur, et bien-aimé, aux Philistins et aux enfants d'Israël. Everybody was afraid of him, even among his own people or Israelites. À cause de sa taille. Because of his weight and height. Goliath. Goliath. Ça c'est 1 Samuel 17. First et quand vous allez lire, vous allez voir comment est-ce qu'un homme fort, puissant, très fort, if you read it, you can see how that guy was strong, qui menaçait tout un peuple Israël. Les enfants d'Israël avaient peur, personne ne pouvait s'avancer. Israel was so scared of him. Et la fin, vous connaissez so you know, at the end, comment est-ce que le petit David, so how David est venu terrasser Goliath. Came and killed Goliath. Et donc, bien aimé, nous avons une idée à ce so qui concerne Goliath. Qui est Goliath? Goliath? Mais le thème ne parle pas de Goliath comme étant individu. You're not talking about Goliath as an individual.
Mais nous parlons des Goliaths, plusieurs Goliaths, pas un, mais plusieurs Goliaths dans nos âmes. A lot of Goliaths in our souls, not only one. Les Goliaths de ton âme. Ce soir, je voudrais que tu puisses écouter la voix de Dieu. So tonight, I want you to hear the voice of God. Afin de pouvoir débarrasser tous ces Goliaths de ton âme. For you to take away all the Goliaths in your géants puissants forts. Giants strong. Qui font peur aux gens. That are making you become afraid of. Qui font que les gens, bien-aimés, ont peur. Les gens ne veulent pas être avec toi. Ou les gens sont éloignés de toi. Of you. Being away from you. Les Goliaths. Goliath. De ton âme. Of your soul. L'âme, c'est quoi? Parce que nous parlons what de l'âme. Soul? Because we're talking about it. L'âme, c'est le siège de la personnalité. Soul is where your personality is. L'âme, le siège de la personnalité. It's where we can find your personality. Là où personne n'aime qu'on puisse jouer avec lui. Ne joue where pas avec people moi. Don't like people to. C'est dans l'âme. It's in your soul. C'est là où il y a la personnalité. Is where we have personality. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de la personnalité, so when we're talking about personality, l'âme comprend et l'intelligence et la volonté. So the soul have intelligence and will. L'intelligence, la volonté et la sensibilité. And sensibility. C'est dans l'âme, bien aimé, qu'on a l'intelligence. It's in your soul that you have intelligence. C'est dans l'âme qu'on a la volonté. It's also where you have will. Tu ne peux rien faire sans la volonté. You cannot do anything without et quand tu will. Fais, bien aimé, ça vient de ton âme. Everything that you will be doing comes from your soul. C'est dans l'âme aussi qu'on a la sensibilité. It's also there that you have sensibility. On est sensible quand quelqu'un touche à ma personnalité. Somebody touch to your personality. On est sensible quand on apprend quelque chose, bien aimé, qui a fait mal, on est sensible, on peut compatir avec la personne. C'est so dans l'âme. You have compassion when you heard about somebody that happening to someone else. C'est dans l'âme, on dit, ah, moto a zangi, na salisaye, na pese quelque chose. It's also from your soul that you can help somebody else. Même quand tu donnes à Dieu, c'est dans l'âme. Even when you give to God, it comes from your soul. C'est pourquoi il faut chasser les Goliaths. That's why you have to take away de Goliath from your soul. Pour pouvoir bien servir Dieu. For you to serve God well. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved God. En parlant de Goliath, cet homme fort et puissant. Goliath, the strong man and quand powerful. Quand vous lisez ce texte de 1 Samuel chapitre 17. So when you read the book of 1 Samuel. On ne cite pas toutes ces choses que nous allons évoquer. They don't talk about everything that we just said. Mais au moins quand vous regardez les dires de cet homme. But when you see what the guy was saying. Et comment est-ce qu'il s'est comporté? And how he was just behaving. On peut bien aimer dans le Seigneur retrouver toutes ces mauvaises choses que nous voulons évoquer maintenant. So you can see all those bad things that we're going to talk about right now. On pouvait voir bien aimé au travers de Goliath. So you can see through him. La haine qu'ils avaient pour les enfants d'Israël. How he was hating Israelites. On pouvait voir au travers de lui. You could see through him. La colère qu'il avait the pour les enfants d'Israël. That he have against Israelites. On peut même dire les coups qu'ils avaient. Donc les coups c'est encore plus que la colère pour when les enfants d'Israël. Coup, it's more than anger. On pouvait voir bien aimé au travers de Goliath l'orgueil qu'il avait. You could also see how pride he was. Cherchez parmi vous là qui peut me combattre. So see how he was saying, just find somebody among you. Et même quand bien-aimé David s'est dit, moi je suis là. Il dit, mais toi, when David mais toi je veux seulement te piétiner, mais toi tu n'es rien. Small. On pouvait voir l'orgueil qu'il avait. So you can see how pride he was. On pouvait voir l'arrogance que Goliath avait. You see how arrogant he was. Il y a une différence entre orgueil et arrogance. There's a difference between pride and arrogance. On pouvait aussi bien aimé voir ou lire les mauvaises pensées qu'il avait. You could see and or read
he had a bad thought. C'était de faire d'Israël bien aimé ses esclaves. He was about to do to Israel to become their slaves. On pouvait voir aussi la méchanceté. We could also see how weakness it was. Comment expliquer un homme? Il est en train de faire chantage à tout un peuple. How come he was just getting everybody to be afraid of him, one person? La méchanceté. On pouvait aussi voir, bien aimé, cet esprit de jalousie. Because we could also see the jealousy in him. Souvenez-vous de comment est-ce que Dieu a fait des exploits avec les enfants d'Israël. So you can remember how God did so many things with Israelites. Et beaucoup avaient peur. Oh, a lot of people de tout ce que Dieu était en train de faire. About what God was doing. Et la jalousie était là dans les cœurs des Philistins. Was there in their heart. On pouvait aussi voir, bien aimé, la rancune. So we could also see the grudge in their hearts. Vous savez, vous pouvez sentir que cet homme ou cette femme, et cet homme est rancunier, cette femme est rancunière, simplement au travers de ses propos. Somebody is having rage. Quand quelqu'un parle, when somebody's tu peux speaking, dire, cette femme ici, elle est rancunière. So you can tell that he have grudge. On peut ajouter même l'hypocrisie et la médisance. So we may add hypocrisy or gossip. Alors, quels sont les Goliaths qui se trouvent dans nos âmes? Quels sont les Goliaths? What is the Goliath that qui se trouvent dans nos âmes? Our hearts. Ces Goliaths, ce sont ceux que nous venons d'évoquer en ces lieux. Goliath is all the thing that we just said right now. Il y a des gens bien-aimés qui sont à l'église, qui connaissent we Dieu. We have people that are at church, they know God. Ils sont là, ils servent Dieu. They serve God. Mais on peut lire la haine. But we can read how great they are. Il y a des gens bien-aimés qui connaissent Dieu. We have people that know Mais on God. Peut voir la colère lorsqu'ils agissent. They have anger. On peut voir l'orgueil, bien aimé dans les seigneurs, dans la vie des gens. They are. Ato moni alati kitoko, alati nepo ayami laksake yende. You can see people dress themselves so well. On peut lire l'orgueil. To show up. On peut commencer à battre. So you see him walking around, back and forth. Comme disait un jour maman de Joko bien dans le réseau. Somebody was saying when we were praying in line that if you see one lady with a new bag, so she'll start to go back and forth for people to see. L'orgueil. Pride. Les amis, vous qui n'entrez pas dans les réseaux, vous ratez beaucoup de choses. Hein? People that are not following us in line to pray. Il y a des témoignages que nous écoutons dans les réseaux we sociaux. We have testimony, but we don't have it here. Vraiment, je vous convie de participer aux réseaux sociaux. Non, pardon. Pardon. Je parle des réseaux sociaux. Je parle de lignes de prière. Get into line of prayer. C'est pas réseaux sociaux, ligne de prière. Donc, vous ratez beaucoup de choses. You're missing a lot of things. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, so beloved God, on peut voir l'arrogance, so you can see arrogance dans la vie de plusieurs chrétiens. A lot of Christian mauvaise life. Pensée. Méchanceté, jalousie, rancune, hypocrisie, médisance. Et donc ces choses se trouvent dans l'âme. All of things are in our souls. Souvenez-vous que l'âme, bien aimée, c'est là où il y a la personnalité, le siège so de la personnalité. Soul is where we have personality. Et la personnalité englobe l'intelligence, la volonté and et la sensibilité. We found intelligence and sensibility. Alors, allons-y, bien-aimés. Lisons Proverbe 21, verset 10. Nous voulons voir l'âme. Ce qui se passe dans l'âme. Proverbe 21, verset 10. On va lire beaucoup de versets. On va aller un peu vite. Proverbe 21, verset 10. Proverbe 21, verset 10. Proverbs 21, la Bible dit ceci. L'âme du méchant désire le mal. The Bible says the wicked man crave evil.
Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. His neighbor gets no mercy from him. L'âme de qui? Du méchant. Fait quoi? Fait quoi? Désire le mal. L'âme du méchant désire. Écoutez, le verbe désir qui est placé là, chers amis. Soul, ce n'est pas par hasard. His soul is desired a bad thing for others. L'âme du méchant désire. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin chaque it's fois. On désire ça. That we need it. C'est ce que nous voulons. It is what we need. Et le méchant est comme ça dans son âme. The wicked is like this. Il désire soul, le mal. He like bad things. Il aime faire du mal. He like evil thing. Il aime voir les autres souffrir. Likes to see other people c'est suffering. Ça l'âme du méchant. This is the wicked soul. Écoutez, la nourriture du méchant dans son âme, c'est la méchanceté. The wicked people have food as a désir. Mais simplement dire c'est quelque chose qu'on aime. On aime ça. A desire for him is this is what he likes. C'est ça ma vie de chaque jour. This is his life of every day. C'est pourquoi on peut dire ah, en tout cas moto, attache sambeli. That's why we can say these kind of people may not change even though they pray. They won't change. Pourquoi? Why? Parce que c'est un désir dans son âme. Because this is what they like in their soul. Lisons Proverbe 18 verset 7. So let's read Proverbs 19. Je prie ce soir pour que toi, tu ne sois pas dans la catégorie où on dit ah, moto yo. I'm praying to mind for people not to say that you're not in a category of those people that. Quand les gens disent ça, you cannot change. Ce sont ces Goliaths. When people are saying that, it looks like you're like a Goliath that living in our soul. Proverbe 18, verset 7. Proverbe 18, verset 7. Verse 7. La Bible dit ceci. The Bible says, la bouche de l'insensé a fool's mouth cause sa ruine. His hand gone. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. And his lips are a snare to his soul. Écoutez les amis, la bouche de l'insensé a fool's mouth cause sa ruine. Cause is undergoing. Tout ce que, bien aimé, les gens disent, parlent everything au plus profond de leur cœur, de méchanceté, de haine, de jalousie, jealousy or hate, a comme finalité leur ruine. The final thing is for them to Ozoye bate me ezo bomayo malembe malembe. To be killed little by little. C'est pour ta ruine. Et la Bible dit que les lèvres sont un piège pour son âme. The Bible says his lips is a snare for his soul. Dieu a placé ses lèvres pour l'adorer, mais pour toi, toi qui vis dans ces choses dans ton âme. Lips for you to worship him, but pour toi, for you, tes lèvres là, your lips. La Bible dit, ce sont un piège pour ton âme. They are a snare for your soul. Parce que de tes lèvres ne sortent que de mauvaises paroles. Because from your lips comes bad things. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. It's from your heart that your mouth is speaking. Matthieu 12, verset 34. Matthew 12, verse 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tes lèvres là, bien aimé, your lips sont un piège pour ton âme. For your soul. Tes lèvres. À cause de tout ce que tu es en train de manger, de ruminer, tout ce que tu es en train de, c'est pas moi, de penser. Because of everything that you've been thinking of. Quand ça monte ici, when it comes up, c'est pour te ruiner, te détruire. It's for you to be destroyed. Ça vient de l'âme. Comes from the soul. Lisons Proverbe 11, verset 17. Let's read Proverbe 11. Proverbe 11, verset 17. Proverbs 11. La Bible dit ceci. The Bible says, l'homme bon, a kind man, fait du bien à son âme. Alléluia. Benefits himself. Ah, je pensais que les gens allaient dire amen.
L'homme est bon. By kind man. Fait du bien à son âme. Benefits himself. On peut renverser. L'homme est mauvais. A bad man. Fait quoi? Fait du mal. Doesn't do à son good. Âme. Je m'adresse aux gens mauvais. Attention, vous faites du I'm mal talking à votre to âme. A bad man. Be careful. Vous faites du mal à votre âme. You're doing bad thing to your soul. L'homme bon fait du bien à son âme. The kind man benefits himself. Mais l'homme cruel trouble sa propre But chair. Cruel man brings trouble on himself. Attention. Be careful. L'homme mal fait du mal à son âme. A cruel man brings trouble in to Acceptez himself. La tautologie. L'homme mauvais fait du mal à son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âme, c'est là où nous décidons. It's where we decide. C'est là où nous agissons. It's where we act. C'est là où nous reflétons notre personnalité. It's where we reflect our personality. C'est là où les gens peuvent dire, It's where people can say, ooh, it's not like this, I never know. C'est dans l'âme, bien-aimé. It's in your soul. Mais, on le saura comment, quand ça va sortir de la bouche. It when it comes out. Mais ça vient de l'âme. But it comes from your soul. Le Goliath de nos Je voudrais parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de deux Goliaths d'abord, et on va continuer les autres Goliaths. So we're going to talk about two Goliaths. Nous right commençons now. Par le premier Goliath. So the first one. La haine. Hate. La haine, c'est quoi? What is hate? La haine, c'est le sentiment violent qui it's pousse a, à vouloir violent, du mal à quelqu'un. It's a violent feeling that I want a bad thing. Un sentiment violent. The violent feeling qui te pousse à faire du mal à quelqu'un. Pushing you to do bad to others. Regardez Goliath. Look at Goliath. Un homme violent. He was a violent man. Il a le sentiment de faire du mal à tout un peuple. He wanted to do bad thing to one nation. C'est tellement mauvais. It's really bad. C'est ça la haine. This is what we call hate. Un sentiment violent qui pousse à faire du mal à quelqu'un. Et à se réjouir du mal qui lui arrive. And to be happy to those bad things that are coming out to others. Tu fais du mal à quelqu'un. You're doing bad to somebody. Mais ça ne te suffit pas. It's not enough. Tu te réjouis aussi de ce mal-là. But you are so happy for doing Donc that. Tu deviens la trompette. You become a trumpet. Hey, voilà ce qui est arrivé à celui ou à celle-ci. Ça, c'est la haine. This is so hate. Regardez comment est-ce que les chrétiens au jour d'aujourd'hui, ils aiment le mal de quelqu'un. The love to hate somebody else. Nzambe aloba kina ngai akosakate, aloba kina ngai akoboma motoyo, moto na kufinza mama la maleluya. Dokumisa nzambe alola nzambe abikabo. Praise the Lord. Ils savent pas que c'est la haine. They don't know that this hate. C'est la haine. You're praying for something bad to happen to someone else. Et comme il peut, testify. Ça c'est méchant. It is really bad. Et c'est à l'église ces choses. It's a church. All those things that are happening. J'ai toujours dit, bien aimé dans le Seigneur. I always say. Jésus, c'est lui. Le modèle de nous tous. Jesus is an example for si Christ us. A aimé, on doit aimer. If Jesus loved, we have si Christ to a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. He even say, non, pray for n'allez the pas enemy. Prier pour que les amas pour ma colombe, mon goût d'autre, à Kunda Mansambe, Namura Jesus de Nsambe, Ti, Token en l'homme de cimetière, Nayen en la chepe flair. Les gens font des prières impossibles. People are praying bad ones. Et ils pensent que Dieu écoute. That God is oh, c'est le diable qui accomplit leur demande. Attendez-vous maintenant ce jour-là au ciel.
But just wait for the vous avez béni Dieu en disant que Dieu m'a exaucé. God because God listened to. Mais ce jour-là, quand vous serez au ciel, that day when you'll be in heaven, Dieu te dira. Ah, God will say to you. Une telle personne était morte. Oh, j'ai somebody appris que passed c'est à cause away. De toi. It's because of you. Justifie-toi maintenant. I want you to justify yourself. La haine. Hate. Regardez dans des réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Chers amis, you can just take a look in social je vous en media supplie today, au nom de Jésus-Christ. I'm begging you in the name ne of soyez Jesus, pas des hommes et des femmes don't be the men and the women qui ont la haine dans leur cœur. That hate people. Je n'ai jamais, je ne peux jamais partager une mauvaise chose, moi jamais. Je ne le fais jamais. I will never share a bad thing. Regardez les gens qui sont contents. Look at people that are happy. On écrit, thème, Moutakala ya pasteur. Na moisi. Et les chrétiens sont contents. Moutakala pasteur na moisi. La personne regarde plus. Ah, comment tu n'es là-bas? Moutakala pasteur na moisi. Excusez-moi de le dire. Ce sont des choses que nous vivons. C'est choquant de comprendre que les chrétiens ils font ça. C'est pitié. Ils sont prompts à véhiculer des messages qui ne glorifient pas Dieu. Ils sont dans la joie parce que Moutakala pasteur, la tindelio, mon ami Moutakala pasteur, c'est ça, bien aimé, notre joie. Regardez toujours les Moutakala des gens. Je voudrais dire à quelqu'un, plus vous faites cette histoire, vous êtes maudit. I'm telling somebody, vous êtes maudit. Doing all those things. La Bible dit que vous ne pouvez pas voir la nudité de quelqu'un. Mais les chrétiens ont aujourd'hui, c'est leur nourriture. Les loups n'ont pas de côté. 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 Les gens cherchent bien aimé les mauvaises choses. So people are looking for bad things. Il y a des fois quand vous lisez les gens, vous voyez vraiment ça, c'est la haine dans les sometimes cœurs. When you're reading all those things, vous savez, la haine fait quoi? Parce qu'on n'aime pas la personne. You don't love that person. Même quand la personne fait des bonnes choses, even though the person doing yo, good, you always see bad. Mabe kaka. It's always bad. Sali malam. Even though he's doing good. Even though he's good. Bon feet, it's not enough for à you. Cause de la haine. It's because le of Goliath de ton âme. Goliath of your soul. Au moins, dans les réseaux sociaux. Quand vous regardez, people on social media, chaque jour, every day, ils ne cherchent que de critiquer tous les gens du Bandundu. Just trying to criticize some donc tout ce qu'il tribe. Met, c'est pour critiquer les gens du Bandundu. It's only to criticize some kind of tout tribe. Ce qu'il met, c'est pour critiquer que tous les Malouba. Donc, tout ce que le Malouba peut faire, bien aimé, c'est mauvais else. Pour elle, c'est mauvais pour lui. La haine dans les cœurs des chrétiens. Hate in Christian heart. La haine. Mais on est chrétien. But we are on part à l'église. We come to church. On est devant le peuple de Dieu, même pour les bénir. On est modérateur, on est prédicateur. On prêche aussi. Mais dans les cœurs, la haine. Et on voit tout dans les réseaux sociaux. Les gens voient et personne ne dit rien. People are seeing, they don't do anything. Je suis en train de dire aux gens, les amis, I'm telling you, les Goliaths de ton âme, the Goliath of your soul, les Goliaths de ton âme te préparent pour l'enfer. They're getting you ready. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. But I have a good news for Dieu you. Dieu ne veut pas que tu puisses aller en enfer. God doesn't want you to go hell. C'est pourquoi tu dois, bien-aimé. That's why. Chasser tous ces Goliaths de ton âme. You have to take all those Goliaths away from you. Les Goliaths. Goliath. Lisons Proverbe 10 verset 12. Let's read Proverbs 10. Oh, t'enfiles, hein? Wow. Proverbe 10, verse verset 10, 12. Écoutez ce que dit la Bible. Proverbe 12, verset 10. Non, Proverbe 10, verset 12. Proverbs 10, verse 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toute le faute. Alléluia. La haine fait quoi? Excite des querelles. Même en famille. Even in families, there is hate. Les gens ne s'apprécient plus.
people don't love each other. Pourquoi lui pas moi? Why him not? Why not me? Même dans la famille. Even in our family. Même dans le mariage. Even our, entre l'homme et la femme, vous sentez la haine dans les cœurs. Husband, wife, les gens ne s'apprécient plus, ne se parlent plus. People don't talk to mais each ils ont other. Ils ont ouvert la porte à la haine. Open the door to hate. La haine excite des querelles. Quand vous voyez les gens se quereller chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois, dans la famille, des querelles, des querelles, des querelles. Au travail, des querelles, des querelles, des querelles. C'est qu'il y a la haine dans les cœurs. Parce que la Bible dit que la haine excite les querelles. Donc, haine est le corps là, allumette, go. Aux yeux, allumette, au saïnine. Tant au tchébé, et saïnine. Et béni moto. C'est ça la haine. La haine excite les querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Covers all wrongs. Là où il y a l'amour, where is love, on ne voit pas le mal des don't autres. See what other people are doing is wrong. Mais on se dit oui. But we say yes. Dieu peut faire grâce. God can do grace. Seigneur, mets dans mon cœur l'amour God, put my heart pour supporter love. Le faiblesse d'autrui. Allons-y lire Genèse 37, verset 4. Let's read Genesis. Un exemple de la haine dans une famille. This is an example of hate in a family. Genèse 37, verset 4. Genesis 37. Vous êtes là, les amis? 37, verset 4. Genesis la Bible dit ceci. 37, verse 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, et ils prirent en haine. They hated him. Ils ne pouvaient lui parler they avec could amitié. Not speak a kind word to him. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? You know the story, right? Joseph et ses frères. That's about Joseph and his brothers. Regardez comment la famille était divisée. See how they were divided. Même quand Joseph venait pour dire des bonnes choses à eux, c'était encore pour semer la haine. Even though when Joseph was coming and saying good things to them, it was just like he was bringing hate. Et parce qu'ils avaient la haine, bien-aimé. Because they hated him. La finalité, c'était de faire quoi? Finally. De les tuer. They wanted to kill him. Et comme ils n'ont pas pu les tuer, so when they didn't, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, t'es qui? They sell him as a slave. À cause de la haine. Because of hate. Chers parents, ça c'est, j'ouvre une parenthèse. Chers parents. I'm going to talk to parents. Attention dans la famille. Be careful in the family. Il faut jamais aimer l'un et don't négliger love l'autre. One child more than others. Tu es en train de semer la haine. You're gonna just il faut traiter tous les enfants them. Sur le même pied d'égalité. You have to treat them equally. Quand vous aimez l'un if you love one et l'autre vous négligez. More than the oh, other, t'es pas à comment maman n'a rien à dire because he have my mom's name. Et puis vous dites, vous parlez ça devant celui l'autre là, je capte qu'il non. On ça comme maman n'a rien. That's why I love him because he have my mom's name. C'est la haine que vous aimez. Et cette famille était divisée à cause de ça. So this family were divided because parce of que la Bible dit que because the Bible le says père aimait beaucoup the father loved Joseph. More Joseph than et les autres frères. Et surtout que bien aimé, c'était une famille polygame. They were like a polygame family. Bon, tata zolinga, oaza, mbanda ya suka, neba zolinga mingi, biso otobotama na banda liboso, azolinga te. So the father were loving the last child instead of the other one. Et la haine est venue dans la famille. La haine, c'est dans nos âmes. Hate is now our soul. C'est Goliath qui fait peur aux gens. This is the Goliath that is scaring us. Quand les gens te voient, ils ont peur à cause when de la haine aux you, ils ont peur. Comme Goliath faisait peur, bien aimé, aux gens. Just à like cause Goliath. De la haine. Lisez avec moi Ézéchiel 25, verset 15.
Ézéchiel 25, verset 15. 25. Ézéchiel 25, verset 15. Alléluia. La Bible dit ceci. Ézéchiel 25, verset 15. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme. Ils se sont vengés comment? Dédaigneusement et du fond de l'âme. Donc leur vengeance venait d'où? Venait de leur âme. C'est l'âme qui pousse le corps à agir. La Bible dit, et parce qu'ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire dans leur haine éternelle. Voulant faire quoi? Tout détruire dans leur haine éternelle. Nzambe, ngana yo to lobaka la cimetière. C'est God, you and I, we just want to speak to each other. Nzambe, ngana yo to kutani. Et là, on me souvient. Donc, on ne l'a jamais. Nothing will happen. Ce sont les chrétiens à l'église. We'll never meet again. Jamais. Talking God. On ne jamais mon nom qu'on a ngai et le bleu le cam. You won't see me speaking to you. Le Philistin, bien aimé dans le Seigneur. Philistine. Il voulait se venger même. You wanted to venge themselves. Et ils l'ont fait. La Bible dit, ils se sont vengés dédaigneusement et du fond de leur âme. Ça venait du fond de leur âme, la vengeance. It came from their heart. Cette vengeance est animée de la haine. The vengeance came with hate. La Bible parle de la haine éternelle. And the Bible talking about eternal hate. Et la suite, écoutez Dieu, le verset 16. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je tends ma main sur le Philistin. J'extermine les... Là, je vous ai parlé. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur. Beloved God. La haine que tu as dans ton cœur contre les autres va amener Dieu others, un jour à t'exterminer. Push God to destroy you. Et les lieux par excellence que Dieu va t'envoyer, the really good place that God will send you, c'est l'enfer. It's hell. Lis avec moi Psaume 109, verset 3. Let's read Psaume 109, verse 3. 109, verset 3. La Bible dit ceci. The Bible says, ça, c'est David qui parle. This is David talking. Comment est-ce que lui, il montre l'amour vis-à-vis des gens. Il fait tout par amour. Mais ceux qui sont tout autour love, de lui, but the people around him, ils les traitent différemment. They were treating him differently. Écoutez ce que dit la Bible, le verset 3. This is what the Bible says. Ils m'environnent des discours haineux. With words of des discours haineux. They surrounded me. Et ils me font la guerre sans cause. They attacked me without cause. Je ne sais rien. I don't know anything. Mais les discours haineux. La plupart des fois, sont most of the time when they're talking about Pastor Damon, it's always about bad things. Les discours haineux. Mais là, il y a les cambotés. But I don't know anything. Combien de fois, bien aimé, il y a des gens comme ça. Ils n'ont rien fait du mal. Mais les gens, like that, they don't do anything bad. Les discours haineux. People don't just like him. Oh, yo, salé qui veut. Mais naïemi les camoti, n'est-ce pas que tu as naté? Mais où tu as les discours? Les gens fabriquent même les histoires, surtout aujourd'hui. Les réseaux sociaux. Social media are bringing. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. I'm really begging you in the name of Jesus. Ne soyez pas ceux-là. Don't be. Qui véhicule la haine? Among those people that are just saying. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Today, même les couples, ils mettent leur vie dans les réseaux sociaux. Even couples, they are just putting je m'adresse aux mariés, s'il vous plaît. Le media. Mariage est une institution divine. S'il marriage, vous plaît. Ne God. Mettez pas les choses de votre don't couple dans les réseaux sociaux. From your couple in social media. Je vais aller plus loin. I'm gonna go a little bit je pleure chaque jour.
I'm crying all the time. Quand je vois l'église prendre ses problèmes et il vient, bien aimé, les mettre dans des réseaux sociaux, je pleure dans mon cœur. In social media, I'm crying in my heart. Je pleure dans mon cœur. I do cry. Quand je vois la famille, when I'm seeing family, ils prennent leurs problèmes. Taking their problems. Les lieux où nous avons choisi pour résoudre cela, réseaux sociaux, je pleure dans mon cœur. It's social media. I'm la haine est semée partout. Hate, it's everywhere. Ils m'environnent des discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Sans cause. Without cause. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, I'm going to talk to somebody tonight. Si tu passes ce moment, if you're spending time sans cause, without cause, les gens font des discours contre toi. People are talking against you. Les gens publient des mauvaises choses contre toi. People are just saying bad against les you. Les gens parlent que de mauvaises choses contre toi. Je viens te dire ce soir, I'm telling you tonight, n'aie pas peur. Don't be afraid. Il y a quelqu'un, there is somebody, il ne dort ni ne sommeille. That will never slumber or sleep. Il y a quelqu'un dans les cieux. There's somebody in heaven. Il voit toutes les choses. He's seeing everything. Tout est nu et à découvert devant lui. Naked in front of him. Oui, chaque jour. Every day. Il y a un soir, il y a aussi un matin. There is a night and day. C'est lui qui va juger le monde. It's the one who's gonna judge the il world. Il sera à tes côtés. He's gonna be beside pour you. Pour te glorifier. To glorify you. Bien-aimé dans le Seigneur. Beloved God. La haine. Hate. C'est ce Goliath. It's a Goliath. Qui nous dérange. That are destroying us. Deuxième Goliath dans nos âmes. Second Goliath in our soul. La colère. It's anger. La colère c'est quoi? What is anger? La colère c'est ce violent mécontentement. This is a violent. Violent, mais donc, quelqu'un qui est mécontent d'une situation. Mais ce mécontentement est accompagné de la violence dans son âme. Also bringing violence. How am I gonna act? Donc, voilà ce que l'âme n'a jamais réfléchi d'avoir agir. So I'm just thinking in my heart, how am I gonna act? C'est ça la violence. This is a violence. Mais on dit ceci. C'est violent mécontentement accompagné d'agressivité. Donc, ce mécontentement, bien aimé, violent qui est dans l'âme, that unhappiness that is coming from your heart, est visible par l'agressivité. Are you being aggressive? Donc, boum, I'm gonna kill you. Le dimanche passé, je pleurais dans mon cœur. Last Sunday, non, ce n'était pas le dimanche passé, c'était, je crois bien, le samedi. I think it was Saturday. Il y a ma nièce qui a appelé ma fille. One of my niece called my daughter. Et puis, ma fille papa me dit, non, papa, ta nièce veut parler avec toi. Elle ne sait pas dormir parce qu'elle a quelque chose qui la dérange. Oh, c'est quoi encore? Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va me dire ceci. So my niece will tell me. Ah, Mania, je prends ton exemple, hein, mais il ne faut pas être comme ça, Mania. I'm going to just take an example, Mania. Elle va me dire que le frère qui joue le synthé à l'église. The brother who plays piano at church. Est-ce que tu connais ce... Tu as vu ce... Oui, je l'ai vu quand on était là, je l'ai vu. Yeah, il joue très bien. Hey, Mania, qu'est-ce que tu as vu? Le frère qui joue là à l'SMD. Il a discuté avec sa femme. Oh, they have discussion with his wife. C'était à 20h. I think it was around 8 p.m. Écoutez bien. Violent mécontentement accompagné d'agressivité. Aggressivity. Il a pris le couteau. He took a knife. So I'm going to kill this goat today. One. Compte avec moi. Two. Three. Four. Five. Six.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vous dis, I told you, je voulais pleurer. I was about to cry. Je ne connais pas la famille. Pas I don't know the non, je connais la famille, je les ai vus. I saw them one il n'y a time, pas de relation comme ça directe. We don't have any relationship. Mais je suis en train de parler de la colère. But I'm just talking about anger. Ce frère qui joue, bien là, 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 là. The brother who plays il a pris the les keyboard, he took a knife. 18 fois. 18 times dans le corps in his wife's personne. Body. Et lui-même, quand il a vu le scandale qu'il a fait, so when he saw that, il va prendre aussi les couteaux and then he's gonna start to pour se faire du mal à kill himself. Et il décide d'appeler la police. So he decided to call the police. La colère. Anger. Violent mécontentement accompagné d'agressivité. Unhappiness. Ici à Portland. Here in Portland. C'est un pasteur. Oui. C'était un pasteur, Papa Alphonse. Un pasteur. Hein? I think he was a pastor. À Portland, non loin de chez nous. Here, not really far from us. Il a pris le marteau. Il a tué sa femme. Il s'apporte un pasteur. Vous allez dire, non, ce sont des, les gens que je cite, ce sont des chrétiens, pas des païens. L'un, il those joue ici. Not a non-believer, et bien, l'autre, il est ici. Il prêche. They're preaching. They're serving God. La colère. Anger. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes sœurs, that's what I'm telling to ne marie pas quelqu'un pour ce monde, hein? Young sister. Hallelujah, onction. Hallelujah, hallelujah. As you say, kitoko, allez, vous dansez, vous dites, oh, frère, solo. Somebody saying hallelujah all the time. Tu ne sais pas ce qu'il est. You don't know who he is. Je suis en train de parler de Goliath dans nos âmes. I'm talking about Goliath in our soul. Lisez avec moi Psaume 37, verset 8. Let's read Psaume 37, verse 8. Tu vois un chrétien, mais sous Cassidy, un jour j'étais choqué. One day I was shocked. Je veux visiter cette famille. Quand à la porte, Nazo, Yuka, ma finger, qui m'a la family. Quoi? I was shocked. Quoi? People were insulting each other. Je fais demi-tour. Je suis I just turned around and left. Mais les chrétiens, prêts même à insulter, même maman et à moi, si ton papa est mobile, le tout sort, tout, Nassakanda, tout sort, les insanités, tout, sauf rien. Il y a combien de gens qui ont détruit leur famille. How many people destroy même their own enfants, families? Ils grandissent. Vous savez, je vous épargne de ces choses. Mais je vais vous parler. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu avec mon oncle paternel. So this is something that I will live with my uncle. Mon oncle paternel, il est ici. He's here. Mais il parle. When he talks. Quand il parle. When he talks. Les gens qui sont là, dehors là, people ils that écoutent. Are outside the house can hear him. So everybody were afraid of him. La colère. Anger. Mais j'ai vu mon oncle mourir. So I saw my uncle dying. J'ai pitié de lui. I have sore about même him. Le mot était difficile pour sortir. Even the word became hard. Je regarde la personne quand il parlait, c'était comme un lion. Tout le monde she avait peur. Remember when he was talking, it was just like a lion. Mais maintenant, même des petits mots. But at that time, before his death, he was not capable to speak. Psaume 37, verset 8.
Psalm 37, verse 8. Psalm 37, verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. This is what the Bible says. Laisse la colère. Refrain from anger. Abandonne la fureur. And turn from wrath. Ne t'irrite pas. Do you not fret? Ce serait mal fait. It's laid only to evil. Laisse la colère. C'est vrai, la Bible, c'est vrai, dans la Bible, on dit que oui, la colère, ça peut arriver. On vous dit même Christ était en colère à partir qui bat tout la nini. Mais la colère de Christ n'était pas une colère, bien aimé, animée d'agressivité. But he was not like really aggressive. Laisse la colère. Refrain anger. Abandonne la fureur. Quand dans la fureur, ce que sangani, bombe. La colère et la fureur ensemble. Anger. Lorsque ça éclate. Together with wrath, it's a bomb. Lisons Proverbe 29, verset 22. Let's read Proverbs 22. Chers amis, nabatilaka munoko nangai. Really taking care of my mouth. Même quand quelqu'un m'a fait mal, je sais que even c'est un insulte. Somebody is doing bad to me. Mais je n'aime pas dire de mauvaises paroles. It hurts, but I don't want to say bad things. Nzambe pambola e kakakolo. God bless him. Maona nzambe zali kolona e. Mena motema na zoki na na pasi, mena kokite, na bi nzambe pambola kaka. But I'm hurting myself, but I'm asking God to bless that person. Proverbe 29. Le verset 22. Proverbe 29, le verset 22. Proverbe 29, verse 22. Un homme colère excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. An angry man strips up dissension. And a hard-tempered one commits many sins. Un homme de colère excite des querelles. À cause de Kanda Nayo. Parce que colère est une place. Vous savez, c'est seulement après la colère qu'on se rend compte qu'on a fait des dégâts. After that, you will see that you're doing bad to yourself. On ne peut pas être de ceux-là qui commettent toujours des dégâts. You cannot be among those people who are doing bad. Nous sommes ceux-là, bien-aimés, qui amènent la paix. We are among people that parce que are nous sommes ambassadeurs de Christ. Because we are ambassadors of Christ. Et Dieu nous a choisis pour que nous puissions réconcilier des gens au Père. To put people together. Nous apportons we la come paix back to the Lord. Et non l'épée. We bring in peace. Nous apportons la paix et non l'épée. Lisez avec moi Proverbe 14, verset 17. Proverbs 14, verse 14, 17. La Bible dit ceci. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Prompt à la colère. Quand on est à la cabre, dit qu'il y la Bible dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. The Bible says a quick temperament does foolish things. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. And a craftsman is hated. Allons-y, lisons Proverbe 15, verset 1. So we read Proverbs 15, verse 1. La place à Kanda, yoka Proverbe 15 à l'obi da yonini. This is what Proverbs 15 says. À la place de la colère, voilà ce que Proverbe 15 anger, dit. This is what Proverbs 15 says. Une réponse douce. A gentle answer. Calme la fureur. Turns away wrath. Vous savez, votre pasteur est en colère, fâché parce que quelqu'un fait quelque chose de mauvais. Je suis fâché. So if your pastor is really angry, mais toi tu me vois. But when you see him, pasteur, you can just talk non, softly. Pasteur, ne te fâchez pas. Saying, Dieu est avec toi. God is with ça you. Ne fait rien. Doesn't même do si les gens te font comme even ça, mais Dieu te connaît. To you. La colère, la fureur, mais une parole douce vient faire quoi? Mais calmer. Dans les couples, l'homme est en colère.
when a man is hungry. Mais la femme dit non, 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 non. J'amène la paix. Une parole douce. Bring peace. Calme la fureur. By saying it gently. Même dans la famille, partout. Even in the family, everywhere. Lorsqu'on est chrétien, on accepte d'être bien-aimé dans le Seigneur, le dernier de tout le monde. We accept to be the last one. Tu ne regardes pas ta place à la famille. You don't see your place in the family. Mais tu te dis non, je veux la paix dans ma famille. I'm going to bring peace. Et tu acceptes de t'humilier. And you accept to humble yourself. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. If you're quick in temper. Une réponse douce calme la fureur. Écoutez la fin. Mais une parole dure excite la colère. Je suis en colère. If I'm angry, alors, tu viens encore. Ça fait encore monter ma colère. Je m'adresse, bien aimé, dans le Seigneur aux mariés. I'm gonna talk to Mary. J'ai toujours dit ça. Lorsque l'un est en colère, if some, one of them is l'autre accepte angry, de s'humilier. The other one need to humble himself. Pour qu'après, quand la personne va descendre, so when the other one will come on peut up, le récupérer et l'amener ici. So we can be in the same. Mais quand nous tous, nous voulons être en colère, if we all, we wanna le be diable angry, the devil is gonna be there. Je vous ai parlé de cette histoire avec ma femme quand on était au Congo avec notre fille. So I think I talked to you about me and my wife. On s'est parlé pendant en colère nous deux. So ça we fait were très longtemps. Angry each other. Et puis ce que Dieu a fait, bah, moi on a mis ça à bandit malade. Malade de m'tissouni sarabiso. La colère ouvre des portes au diable. Sick. But hang open the door. Lise avec moi 1 Timothée 2 verset 8. Mais tous ces versets que je ne donne pas par hasard. Dieu sait pourquoi. Sorte de parler de Goliath et l'âme. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée 2, verset 8. Les gens ont toujours peur de toi. Comme Goliath, les gens avaient peur de lui. Attention. 1 Timothée 2, verset 8. 1 Timothée. La Bible dit ceci. 2, verse 8. Écoutez, bien-aimés. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Comment est-ce que tu viens à l'église? How come to church? Comment est-ce que tu viens adorer Dieu, mais tu es en colère? How can you come to worship God, but you are Comment angry? Est-ce que tu viens à l'église? Mais tu n'es pas pur. How come you came to church and you're not pure? Comment est-ce que tu viens à l'église? Mais avec des mauvaises pensées déjà. You came to church with bad thoughts. So you just talk to me today and see what I'm going to do to him. Lève-nous, nous voulons prier. Let's all stand up, we're going to pray. On va continuer cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. So we're going to continue. Mais je voudrais que tu puisses prier par rapport à ces deux textes. Le premier texte, c'est Psaume 41. C'est ça notre prière de ce soir. Psaume 41, verset 5. Psaume 41. Psaume 41, verset 5. Psaume 41. 41, verset 5. Verse 5. Je dis, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car je péchais contre toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu de guérir ton âme de tous ces Goliaths? Can you ask God to heal? Je demande yourself. De prier seulement Dieu de guérir ton âme de tous les Goliaths qui sont dans ton âme. From all the Goliaths that come to méchanceté, jalousie, haine. Tu ne vois que du mal des gens. When you sing bad things, deuxième prière, Psaume 142. Psaume 142. Psaume 142. Psaume 142, verset 8. Verse 8. On va prier, bien-aimé, comme ça. La première prière, Seigneur, guéris mon âme. So you're going to pray for healing of your soul. Deuxième prière. And the second prayer. 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'auras fait du bien.
Fais cette prière, bien-aimé. Seigneur, tire mon âme de cette prison. Cette prison de la haine. Cette prison de la colère. Cette prison de la méchanceté. Cette prison de la jalousie. Alors prie ces deux choses. Que Dieu te guérisse. Et que Dieu puisse te tirer, bien-aimé, de cette prison que tu as enfermée. Prie maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Si ce n'est pas toi, prie pour ton mari. Si ce n'est pas toi, prie pour ta femme. Si ce n'est pas toi, prie pour tes enfants. Si ce n'est pas toi, prie pour ta maman. Si ce n'est pas toi, prie pour tes frères. Si ce n'est pas toi, prie pour un frère à l'église. Si ce n'est pas toi, prie pour une sœur à l'église. Que Dieu puisse guérir nos âmes. Que Dieu puisse nous tirer de la prison de Goliath, d'éternel désarmé. Je prie pour ton peuple de sang et agis. Que le Goliath tombe, Seigneur. Les Goliaths qui font peur aux gens. Les Goliaths, oh Dieu, qui, Seigneur, nous éloignent de ta face ce soir. Je prie pour ton peuple. Guéris, Seigneur. Guéris, oh Dieu, de tous ces Goliaths. Et tirez-nous, Seigneur, alléluia, de la prison, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Na kangami na passione movikisina na sengi koluna yo kati na bomoi nanga. Éternel des armées, God Almighty, je prie pour mon frère, I'm praying for my brother, je prie pour ma soeur, and my sister. Seigneur, pendant que tu parlais, God, when you were speaking, comme Seigneur un film, like a movie, tu as fait passer, Seigneur, devant mon frère, devant ma soeur, you have as in front of my sister, brother, les Goliaths de son âme, Goliath of. Je te prie, éternel des armées. I'm praying to you, God Almighty. Guéris mon frère. Heal my brother. Guéris ma sœur. Heal my sister. C'est Goliath. From all those Goliaths. Oui, Seigneur, tire mon frère. Take my brother. Tire ma sœur. My sister. De cette prison. Out of the prison. Seigneur ne saura pas de lui-même. Cannot do it themselves. Mais tu es notre Dieu capable. But you are capable de nous libérer. To deliver us. Merci pour la paix dans les couples. Thank you for peace in couples. Merci pour la paix dans les familles. In families. Merci pour la paix à l'église. Thank you for peace in church. Et merci pour tous tes bienfaits. And thank you for all your Jésus. Yes, in the name of Jesus, we have prayed with faith and thanksgiving. Amen. Amen. Nous voulons offrir à notre Dieu. We can offer to God. Nous voulons donner à Dieu. Nous offrons nos dîmes.